Kim pfiff ich dreimal wie der Fritz, süß zum de Schadelmeer, und ich krieg nur am Fritz im Platz die lang versprochene Schmier. Rendez-vous. Voilà un des poèmes alsaciens à écouter le long de l'ancien Waldstraßel, le chemin forestier bien connu des Brumatois. Un sentier des poètes vient d'y voir le jour et met à l'honneur un fervent défenseur de la langue et de la culture alsacienne, le peintre et poète Gustav Stoßkopf. Cette balade d'un kilomètre, bordée par les champs et les arbres, permet de découvrir ou de redécouvrir une figure incontournable de l'Alsace à travers 15 panneaux, reprenant des poèmes, des extraits de pièces de théâtre et des sketchs de l'artiste. Le sentier Gustav Stoßkopf, ce sentier des poètes, avait avant tout pour objectif de rendre hommage à un homme de lettres, un dramaturge, mais pas que, et surtout un très grand défenseur de la culture alsacienne, mettre en avant ses écrits, son œuvre et la qualité d'une culture et d'une littérature alsacienne était vraiment quelque chose de primordial pour nous, au-delà d'une plaque sur une façade ou qu'une rue à son nom. Les textes courts et représentatifs de l'œuvre de l'artiste ont été choisis par la linguiste et dialectologue Danielle Krevna-Werner et ont été traduits par les membres de l'atelier d'Alsaciens de Brumath. Une traduction exigeante et précise. Chez Stoßkopf, chaque mot a sa place. C'est comme, on a l'impression qu'il écrit avec la palette d'un peintre, les différentes nuances qu'il met à certains moments, qu'il met dans certains contextes. Si on se permet la moindre liberté, on s'éloigne de ce qu'il voulait. Stoßkopf a avant tout écrit pour montrer son amour pour l'Alsace et pour sa ville, pour Brumath. Alors là, c'est exactement, ça ne pouvait pas être mieux. Et afin de donner un côté plus ludique à cette balade, les textes sont à écouter sur les smartphones en flashant des QR codes. Des textes qui ont été enregistrés par des acteurs de théâtre alsaciens et qui plongent les promeneurs dans l'univers humoristique et poétique de Gustav Stoßkopf. Julien est comédien au théâtre alsacien à Strasbourg. Il enregistre aujourd'hui même les deux derniers textes qui viendront s'ajouter au Sentier des Poètes. On entend différentes tonalités d'Alsaciens, différents personnages qui parlent, et ça donne de la vie au texte, quoi. Et je pense que chacun a mis sa petite touche personnelle, et la clôture aujourd'hui avec les deux derniers textes permettront à tout le public, dès la semaine prochaine, de se promener sur le sentier des poètes à Brumath et de découvrir donc Stoßkopf un peu différemment. La commune souhaite compléter ce sentier avec des œuvres d'autres artistes alsaciens et des peintres brumatois, une façon de relier les autres promenades de découverte de la commune. Denn drinnen du wohnt, du's allernetzte Kind.